Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça encore, mes frères et sœurs? C'est impossible! Comment ça se fait qu'une star révèle au grand jour son identité spirituelle? Juste comme ça, au travers de sa musique? Mes frères et sœurs, vous serez même surpris par ce que vous allez voir ici. Mais avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, vérifiez bien que vous êtes abonné, que vous avez activé la cloche de notification. C'est vraiment très important pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Parce que hier, YouTube nous a envoyé une mise à jour qui nous permet de voir exactement qui fait quoi et qui regarde quoi, qui sont ceux qui sont abonnés. Comme vous pouvez le voir, nous avons plus de 30 000 abonnés, mais c'est seulement 9800 abonnés seulement qui ont activé la cloche de notification pour recevoir toutes nos notifications. Et ça représente 32,5%. Ce n'est même pas la moyenne. Ça veut dire que sans doute, bon nombre d'entre vous nous observent, sont abonnés, ils aiment nos vidéos, mais ne pas activer la cloche de notification. Quand vous cliquez sur la cloche de notification juste au-dessus de cette vidéo, quand vous cliquez sur la cloche, vous allez voir que si vous êtes bien abonné, vous cliquez sur la cloche de notification, vous allez voir cette cloche s'afficher juste comme ça. Voilà. Vous voyez, est-ce que ces deux oreilles s'activent exactement comme ça. Et vous allez voir, voilà, recevoir toutes les notifications sur nos vidéos. C'est très important. En cliquant sur le bouton en dessous de cette vidéo, vous pouvez également avoir accès à la page d'accueil. Vous allez voir nos trois autres chaînes. Abonnez-vous également sur nos trois autres chaînes et faites la même chose. Activez la cloche de notification. Waouh! Imaginez, vous travaillez et puis vous ne recevez pas le nombre de retours que vous devez recevoir. Encore le retour. Bien, revenons à nos moutons. C'est très important. Ah! Quelle est cette histoire encore d'une star, une célébrité qui révèle au grand jour son état d'âme? Qu'est-ce que c'est? Mes frères et sœurs, c'est tout simplement un nouveau clip, une nouvelle chanson qui est venue. Et quand c'est arrivé là, moi-même, quand j'ai vu le clip, j'ai fait une vidéo là-dessus. Cette vidéo se trouve sur la chaîne. C'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Mes frères et sœurs, c'est plus vilain que vilain. On voit dans le clip une scène de pornographie. Il faut être clair, il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça, vous donne le titre ici, mais ce n'est pas bon parce que les enfants qui nous observent aussi, peut-être pas qu'ils aient regardé telle chose. Mais ce qui est étrange, c'est que quand vous écoutez la musique, à un moment donné, elle dit alléluia, elle dit alléluia, et après le alléluia qu'elle dit là, il y a une phrase qui apparaît que la plupart des gens du monde n'ont pas vu. Les gens n'ont pas vu cette phrase. Et moi-même, hier, quand nous faisons le tour du monde pour essayer de vous offrir quelque chose d'encore meilleur, nous sommes tombés sur cette information. En fait, sur les paroles de la chanson de cette star-là. Et ce qu'on a vu, ce qu'on a découvert, ça a dit long sur son état d'âme. Où ça nous dit exactement où on se trouve. Mes frères et sœurs, nous allons vous montrer aussi. Ce n'est pas seulement ça que nous avons prévu. Nous avons aussi prévu ça. J'espère que vous voyez. Voilà. Comme vous voyez, il y a une flèche. Là où se trouve la flèche, là, c'est même là que se trouve aussi le refrain de sa chanson. Et c'est dans le refrain de sa chanson là que se trouve cette chose-là. Nous allons bien zoomer. Vous allez voir, nous allons bien zoomer. Voilà. Voilà, regardez bien. Là, vous voyez maintenant la flèche. Vous voyez la flèche. Voilà. Ici. C'est juste là même en bas que se trouve le refrain là. Est-ce que vous pouvez lire? Regardez. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il est écrit Alléluia, I am a witch. J'espère que je vois bien. Alléluia, I am a witch. I am a witch, alléluia. Alléluia, I am a witch. I am a witch, alléluia. C'est une star, c'est une célébrité, une star de la musique qui dit ça.
Maintenant, vous vous êtes faux. Vous ne comprenez pas l'anglais. Vous ne savez pas ce que ça veut dire ni qu'est-ce que ça signifie. Ma frère de soeur, ma frère de soeur. Ah, mon Dieu. Ça veut dire. Alléluia, je suis une sorcière. Ça veut dire Alléluia, je suis une sorcière. Alléluia, je suis une sorcière. Regardez bien. Vous pouvez bien regarder et aller sur Google pour faire la traduction. Peut-être que je me trompe ou j'ai mal vu. Alléluia, je suis une sorcière. Je suis une sorcière. Alléluia. De quel monde sommes-nous? De quel monde sommes-nous? Elle nous dit au grand jour comme ça qu'elle est une sorcière. Juste comme ça. Regardez encore. Juste là, le refrain, c'est le refrain. Hein? C'est le refrain. Ça veut dire que les gens aussi, ils vont répéter la même chose. Ils vont répéter aussi le même refrain. Nos enfants, vos enfants, ils vont répéter aussi le même refrain pour dire Alléluia, I am a wish, I'm a wish, Alléluia. Sérieux? Sérieux? Et puis j'hallucine ou quoi? Et puis j'hallucine. Vous savez que quand vous parlez sans preuve, les gens ne croient pas trop. C'est pourquoi nous vous montrons toutes ces choses. Juste pour vous permettre de comprendre tout ce que nous sommes en train de vous raconter, même ici, là, depuis. On vous a dit que quelle que soit la chanson que vous chantez, vous devez savoir que vous êtes en train d'adorer quelqu'un. Et cette personne-là, ça peut être Dieu, le vrai Dieu, ou le diable, le faux. Maintenant, toi, quand tu regardes cette chanson-là maintenant, déjà, mais toi-même, tu as regardé le clip, tu as entendu la chanson, les ponceaux qui sont à l'intérieur, ça. Tout ça, c'est déjà séduit. Je n'avais pas pris même le temps de regarder les paroles de la chanson, c'est-à-dire les écritures, le refrain, les paroles, tout ça. Je n'avais pas pris le temps de regarder tout ça. Et toi, tu t'es tout de suite mis à chanter aussi. Tu chantes Alléluia, I am a witch. Alléluia, I am a witch. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire hey. Que toutes les personnes qui vont même répéter le même refrain seront en train de se proclamer, c'est-à-dire seront en train de dire aux yeux de tout le monde que eux aussi, elles aussi, ces personnes-là, elles aussi, elles sont des sorcières. Genre toi, tu écoutes, tu chantes une chanson et tu prononces une parole comme ça, toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Parce que si tu ne sais pas, nous allons te dire que dans la parole, il y a un pouvoir. C'est ce que tu dis là, c'est ce qui t'arrive. Donc, eux, ils vont faire ça de sorte que toi, tu puisses prononcer des malédictions sur toi-même. Tu prononces des malédictions sur toi juste au travers de la parole de la chanson ou du refrain de la chanson. Quand on avait raconté ça aux gens, les gens pensaient que c'était de la blague. Ce clip-là a été en tendance pendant combien de temps? Peut-être pendant 24 heures. Hein? Parce que on l'a plus revu encore. On ne l'a plus revu. Et il y a eu des millions de personnes qui ont regardé le clip. Et des millions de personnes aussi n'ont pas pu voir ce que nous sommes en train de vous révéler même ici. Alléluia, I am a witch. Alléluia, I am a witch. I am a witch. Alléluia. Sérieux? Donc quand tu dis que tu es une sorcière, c'est une bonne nouvelle. Es-tu une sorcière là? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? La question que tu as posée aussi c'est est-ce que c'est pour faire le buzz même elle a été raconté tout ça là? Mes frères et sœurs, nous allons vous dire quand quelqu'un fait une chanson, il écrit une chanson et il fait un clip, tout ce qu'il dit là c'est ce qu'il sait, parce que l'on ne peut offrir que ce qu'on a. C'est ce que tu sais, c'est ce que tu offres. S'il y avait d'autres images qu'on avait trouvées pour pouvoir soutenir cette histoire-là, cet argument-là, on allait vous la montrer. Mais c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on vous montre. Donc c'est ce qu'elle essaie d'elle-même, là, ou encore de son état d'âme qu'elle dit.
juste là comme ça au travers de sa chanson. En fait, sa chanson exprime ce qu'elle est en réalité. Et elle vous dit ouvertement qu'elle est contente d'être une sorcière. Elle rend gloire à Dieu parce qu'elle elle est une sorcière. Gloire à quel Dieu? Gloire à quel Dieu? Gloire au diable. Si vous voulez savoir, il y a des sorciers qui chantent aussi. Il y a des sorciers même qui chantent. Et même, il peut même chanter même plus bien que les gens. Que les gens de l'église. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme à moitié. Il a créé l'homme dans son complet. Et il lui a donné toutes les facultés possibles pour qu'il soit puissant à tous les domaines. L'homme est multidimensionnel. On ne peut comprendre ni connaître l'homme. L'homme a des pouvoirs terribles. De puissants pouvoirs que vous ne pouvez vous imaginer. Et l'homme est capable de faire tout ce que vous pouvez même voir même autour de vous. Mais quand il s'agit de grande gloire à Dieu, l'homme devient faible. Et l'homme se laisse plutôt séduire par le mal. Les gens sont plus attirés par ce qui est mauvais que par ce qui est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, alléluia, aïe, mais oui. Et c'est vrai ce que les études disent. Elle est en train de nous révéler qui elle est. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont la suivre, qui seront ses fans, en principe, toutes ces personnes-là maintenant doivent être informées de l'état d'âme de la personne qui sont en train de suivre. Oui, parce qu'il n'y a pas très longtemps, même des abonnés peuvent confirmer. Il n'y a pas très longtemps, on a fait une vidéo où on a réagi sur un message d'une autre superstar. Cette superstar-là, en plein concert, elle a arrêté la musique. Et elle révèle à ses fans que tous ses fans diront en enfer avec elle. Et c'est pour ça, la raison pour laquelle même elle les aime. Quoi? Des révélations comme ça. De son autre concert, une autre célébrité aussi a dit, arrête aussi la musique. Et cette célébrité a dit, tenez-vous bien, elle a dit, j'ai voulu mon âme au diable. Il sait que c'est un deal pourri, mais je l'ai fait parce que ça vient avec des cadeaux, des présents. Les frères et sœurs, les gens ne se cachent même plus, ils nous disent la vérité au grand jour comme ça. Juste comme ça. Ah! Alléluia, amen, oui. Vos enfants ne doivent pas chanter ces chansons d'air. Vous-même, vous ne devez pas chanter ces chansons d'air. Ne dites pas qu'on ne vous a pas informé. Aujourd'hui, toi-même, va regarder ta chanson préférée là. Qu'est-ce qui se trouve dans ta chanson préférée? Peut-être que l'état d'âme de la personne que tu écoutes le plus là se trouve même là-bas. Parce que si tu ne sais pas, les esprits, les satanistes, les sorciers qui chantent, ils peuvent mettre dans les chansons des signes qui vont te montrer que ce sont des sorciers. Et il peut y avoir aussi des incantations. Et cette phrase que nous venons de lire là, ça peut être aussi une incantation. Alléluia, I am a witch. I'm a witch, alléluia. Juste comme ça. Et cette personne vient d'une entreprise, d'une industrie de dessins animés qui est très connue. Oui. C'est de là-bas qu'elle vient. Elle était docile avant. Cette personne était docile, c'est son histoire qu'elle a. Elle était docile. Elle était comme un enfant inoffensif. Comme une personne qui ne peut faire du mal à une mouche. Même moment donné, cette personne-là, cette femme, cette jeune fille, elle est devenue comme un enfant tout pourri. Ou un enfant gâté. Ou encore un garçon manqué. Elle a commencé à exprimer sa sexualité. Elle a commencé à se montrer sur une autre aspect. Un aspect qu'on n'a jamais vu auparavant et qu'on ne verra jamais. Elle a commencé à s'habiller de façon sexy. Même
c'est une manière que vous ne pouvez pas penser à faire des positions de Kamasutra en plein concert, faire des positions de Kamasutra en public. Même les gens qui la connaissaient me disaient, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette personne est en train de sauter sur scène comme un poulet perdu ou un poulet qui n'a pas de propriétaire? Ça, c'était la réaction d'une autre star qui disait ça. Mes frères et sœurs, ce qui se passe, dans ce monde-là, c'est pas de la blague. C'est une autre star. C'est-à-dire, cette star-là est en conflit avec une autre star du rap, une autre femme, une autre star du rap. Les deux font briller des poèmes, mais elle s'attaque quand même, elle s'insulte. Juste comme ça. Mes frères et sœurs, faites attention. Ceux qui sont les plus exposés dans cette histoire-là, ce sont les gens qui refusent carrément de reconnaître que ça, ce sont les œuvres du monde des ténèbres. Ceux-mêmes qui sont même les plus exposés à de telles choses-là, ce sont les personnes qui refusent de reconnaître vraiment que le diable travaille dans l'industrie de la musique, même en utilisant les stars, pour corrompre les âmes des gens. Quand tu chantes une telle chanson, toi, tu vas corrompre ton âme. Ton âme sera même dans les problèmes. Dans ton esprit, c'est le bon esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais toi, tu dis que tu es un vrai chrétien en plus. Un vrai chrétien, quand tu vois en train de chanter Alléluia, I am a witch. Non, c'est pas possible. Dis à ta voisine qu'à côté, dis à ton frère qu'à côté, c'est pas possible. Non. Alléluia, I am a witch, juste comme ça. Même quand tu prononces ça même, quand tu prononces cette phrase, ça ne te fait pas quelque chose. Hein? Et c'est dans la chanson. Juste là, comme ça. Les gens veulent nous envoyer au paradis ou veulent nous envoyer en enfer. Est-ce que les gens veulent notre bien? Moi, je pense qu'il y a les gens qui ne veulent pas notre bien. En fait, les gens sont là pour leur argent. C'est leur argent qui les intéresse. Donc, même s'il faut aller plonger les fans dans le canari ou bien enfermer les fans dans la bouteille, juste pour que les fans juste pour qu'eux puissent avoir la gloire ou bien de l'argent, ils seront prêts. Ça, c'est vrai. Parce que toutes les personnes qui vont prononcer cette phrase-là, ou qui vont chanter ce refrain-là plusieurs fois, toutes ces personnes-là seront en train de recevoir quelque chose du diable, ou des sorciers, ou de l'esprit des sorciers, qui l'ont même inspiré à faire la chanson. Ou bien, vous-même, vous pouvez réagir. Vous réagissez très bien sur ce bon ces temps-ci. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand il s'agit de parler de ça, mes frères et sœurs, vous ne devez pas vous taire, vous devez apporter quelque chose. Vous devez dire également quelque chose. Que pensez-vous de cette histoire, mes frères et sœurs? Que pensez-vous de cette histoire? Vous pouvez me penser que c'est de la blague. Vous pouvez me penser que c'est de la blague. Nous allons vous dire que parfois même, là, il y a certaines célébrités, dès qu'elles voient leur fin venir ou leur mort arriver, ces célébrités-là vont jusqu'à à chanter une chanson qui parle de comment elles vont mourir. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué ça? Oui, une star de la musique va juste nous révéler comme ça qu'elle est d'une sorcière. Juste dans la chanson. Est-ce que les gens croient même à ce que nous sommes en train de vous dire? Mes frères et sœurs, n'écoute plus n'importe quelle chanson aujourd'hui. Parce que si tu chantes n'importe quelle chanson, tu vas invoquer même le diable dans ta maison. Ou bien tu vas appeler la malédiction qui sont sur toi. Il y a un groupe de musiciens, et un groupe de musiciens, eux là, ce sont des chanteurs, eux là, pour avoir du succès là, sur leur pochette de CD, c'est-à-dire sur leur album là, à l'arrière de leur pochette, de la pochette de la CD, à l'arrière on voit une phrase à renverser.
Et cette phrase à renverser là, c'est pas une phrase pour bénir les gens. C'est une phrase qui va maudire les gens. Et pour pouvoir bien lire cette phrase là, qu'est-ce que les gens doivent faire? On leur dit même, allez vous positionner devant le miroir. Et des millions de personnes ont acheté le CD. C'était des célébrités. Là, maintenant, vous allez voir comment le diable utilise les stars pour détruire le monde. Comment le diable utilise les stars de la musique aussi pour détruire l'humanité. Aïe, 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 aïe. C'est vrai, c'est vrai. Moi-même, c'est maintenant, je comprends mieux même plus. Et puis, je pense que c'est vrai. Des millions de personnes aimaient ce groupe de musiciens. Parce qu'eux, ils faisaient du rap, hein. Ils faisaient des rappeurs comme ça. Et ces gens qui ont acheté leur album, là, ils étaient peut-être tous là devant le miroir pour chercher à comprendre même ce qui était écrit même sur le CD. C'est là maintenant les gens vont se mettre dans les miroirs en train de chercher à lire. Et quand vous renversez là, vous voyez une phrase. Mais toutes les personnes qui vont lire cette phrase vont recevoir la malédiction. La malédiction. Et c'est même ça leur deal avec le diable. C'est même ça. Et si le premier album a eu du succès et que les gens ont été maudits en masse, ce que le gars va faire, c'est qu'il va leur demander tout de suite de faire un autre album. Il va leur dire de ne pas s'arrêter. Il va leur dire de continuer à le faire, de continuer à le faire parce que le premier album a marché. Là, ce n'est pas eux-mêmes, ce n'est pas eux-mêmes qui vont aller demander. Ce ne sont pas eux qui vont aller demander au diable d'avoir du succès. Là, maintenant, c'est le diable qui va venir les voir. Et quand le diable va venir les voir, maintenant, il va leur dire, ah, ça a bien marché. Venez, faites encore de même. Et puis, on va encore maudire les gens et les préparer à l'enfer. Quand le musicien l'a ouvert, quand c'est star là, ouvert la bouche pour dire que ses fans vont y voir un enfant avec elle là, vous avez pensé que peut-être que c'était de la blague. Mais c'est vrai parce que c'est vrai même. Et parce que la musique là, c'est ça là, dit que parce, les gens y vont en enfer parce que nous cherchons ses paroles. Hein. Elle dit parce que les gens ont écouté ses musiques des millions de fois. Il dit, vous avez écouté mes chansons des millions de fois. On vous a déjà dans la merde. Vous avez tous en enfer avec moi. Juste comme ça. C'est comme si c'était le diable lui-même qui parlait. C'est comme si c'était le diable qui parlait. Juste en écoutant la musique, toi tu peux te retrouver dans des problèmes. Moi-même, je comprends maintenant pourquoi cet homme, il a révélé cela. Pourquoi cet homme, il a parlé ainsi. Moi, c'est maintenant que je commence à comprendre pourquoi il a parlé ainsi et comment c'est possible. Si ces chansons parlent de sexe et comment coucher avec les femmes, si ces chansons parlent de la drogue, des stupéfiants et comment faire pour utiliser ces genres de choses, ou bien si ces chansons parlent de l'alcool, comment faire pour s'enivrer et puis tu vois dans les crimes des bouteilles, des boissons par-ci. Si ces chansons parlent encore de ce genre de choses, puis toi-même tu vois ça. Toi-même tu es conscient que tu n'es pas à l'église. Et que ces chansons-là ne peuvent même être normalement chantées à l'église. C'est que si tu sais tout ce genre de choses, que tu continues à écouter ces chansons, c'est que toi-même tu prends pas à la chose. Ça veut dire que tu aides même cette personne à bien faire son travail. Et ce travail que de pervertir la jeunesse et détruire les âmes des gens. Quand tu regardes une femme nue, par exemple dans le clip, quand tu regardes ça, toi tu te dis que oh, tu as juste regardé, tes yeux ont juste vu. Mais la nuit, quand tu vas t'endormir là, ça te suit, hein. Ça te suit. Si toi tu es levé le matin et puis tu as reçu une bonne nouvelle, que c'est Dieu même qui veut que tu sois content. Mais quand tu reçois des telles informations dans les clips où tu vois les femmes nues, c'est que c'est qui t'a donné cette nouvelle là? C'est le diable. C'est même le diable qui veut que tu regardes ces personnes là.
C'est pourquoi il va demander au stade de la musique de mettre de plus en plus des choses sales, bizarres, 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 bizarres dans les clips. Quand même, tu fais même un clip où on ne voit pas de femmes, des filles comme ça, où ça ne parle pas de, du sexe, de la drogue, de l'argent, des choses, des choses. Même quand tu vas même dans certaines radios, tu veux même faire la publicité de ton album, ils te disent, ici, nous on n'est pas chrétiens, on n'écoute pas la musique chrétienne. Ça m'étonne. Oui. C'est ce qu'ils vont te dire. Oui, non. C'est pas possible, ici nous on n'est pas chrétiens. Nous n'écoute pas la musique chrétienne ici. Donc faut retourner à ton album là, si tu es venu pour faire plaisir aux chrétiens, va chez les chrétiens, va à l'église. Oui. C'est réel, hein. Si vous pensez que c'est de la blague, renseignez-vous. On ne joue, dans certaines radios, là-bas, là, on ne joue pas la musique, des chansons chrétiennes. De toute façon, les gens sont informés. Ça veut dire que le diable veut utiliser les stars de la musique, les célébrités, pour détruire le monde, pour détruire l'humanité. Regardez les magazines, regardez comment on paye très cher. Regardez comment on paye très cher les stars, juste pour que les stars se mettent nus dans les clips. Non, 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 pas dans les clips, dans les magazines. Voilà. Juste pour qu'elles se mettent nus dans les magazines. Regardez, des millions, hein. Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est pour rien? Une personne qui est aimée par des enfants, une personne qui est aimée par des gens, par la masse, cette personne sera visée par tout le monde, le regard de tout le monde sera sur cette personne. Et tout ce que cette personne sera est susceptible de corrompre des âmes ou d'aider les gens. Est-ce que vous comprenez? Bon, il y a un peu de bruit, on va passer, il y a un peu de bruit. Ah. Allons-y un peu plus loin, il y a un peu de bruit. Voilà. Donc tout ce qu'on vous disait, tout ce que cette personne sera, tout ce que cette personne sera là même, ça va impressionner les gens. Il y a des gens, eux, leur travail, c'est d'aller regarder les stars, comment on appelle ça, les posters. Et même, ils achètent, ces gens ils achètent même de tels chocolats à la maison pour se masturber des fois. Il faut qu'on dise, c'est ça même, c'est le mot même. C'est pas ta blague, j'ai vu de la pop sur. J'ai vu de la pop sur tout ce que j'essaie de vous raconter même ici là. Si je n'ai pas vu, il ne serait pas de vous raconter ces choses. Vous-même, vous pouvez faire des recherches. Allez voir. Message automatiquement qu'aujourd'hui, là, vous êtes une personne importante. Vous êtes tellement important que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous êtes tellement important que les gens sont prêts à tout. Juste pour vous impressionner. C'est vous qui pensez que vous êtes juste là, on ne s'intéresse pas à vous. Non. Si tu es ici, vous faites semblant comme si vous n'êtes pas important. Ils peuvent même vous rabaisser juste pour que vous-même vous diminuez votre valeur. Mais spirituellement parlant, nous tous on sait votre importance. Vous êtes le sujet de discussion des gens, des grands de ce monde. Vous êtes le seul intérêt. Les gens s'intéressent à vous à cause de votre âme. Les gens s'intéressent à vous à cause de ces choses immatérielles qui se trouvent en vous. Vous êtes fait à l'image de Dieu, créature de Dieu, du Dieu très haut, du Dieu tout puissant. Imaginez la suite. Et le diable veut vous avoir comme ça. Il veut que vous fassiez partie de son game, de son gang. Ne me laissez pas avoir. Si vous voyez une chanson avant de l'écouter, il faut prendre soin de chercher la parole de la chanson là d'abord.
faut pas dire que l'instrument te plaît. Faut pas dire que oh, il y a quelque chose qui te plaît à l'intérieur. Sans avoir su qui on adore dans la chanson. Parce que si tu ne cherches pas ça, tu vas devoir lutter même un jour. Abonne-toi et que tu sois bonne. Voici la page d'accueil. Abonne-toi sur notre autre chaîne. Vérifie bien que tu es abonné sur toutes les chaînes et que tu as activé la cloche comme on a dit en introduction. Et sois prêt pour la prochaine vidéo. Maintenant, dis-nous ton expérience de la chose. Parce que ça, nous tous, nous avons nos mots à dire ici. Merci pas. Que Dieu bénisse, frère et soeur. Bonne soirée.